Prévenir, c'est mieux vivre. Mitiel en nous, c'est MGPS. Le parc zoologique des mamelles vous présente les îles de Guadeloupe à la trace. C'est patrimoine en nous! Pour une région durable, responsable et solidaire. Les îles de Guadeloupe, il y a tant d'îles en elles. Voici une courte promenade qui vous conduira en quelques minutes à l'une des plus célèbres cascades de la Guadeloupe. Le sentier ombragé qui mène à la chute est un peu escarpé. En se montrant prudent, on y accède sans encombre. Parvenu à la rivière, le spectacle est au rendez-vous. C'est tout le charme des cours d'eau de la côte sous le vent qui s'exprime ici. Depuis toujours, ce beau bassin sert de piscine naturelle aux jeunes gens de la région. Il faut savoir pourtant que la rivière Grande Plaine connaît des crues soudaines et violentes, et qu'il vaut mieux ne pas s'y aventurer par temps de pluie. Sachez apprécier la nature. Si vous prenez soin d'elle, et si vous la respectez, elle vous le rendra au centuple. Sur cette trace qui mène au saut d'Acoma, la beauté de la nature convoque notre émerveillement. Le bruit de l'eau qui s'écoule, les oiseaux dans les arbres. Et brusquement, on a cette impression palpable que l'on fait corps avec cette mère nature, que l'on fait partie de ce tout, un sentiment de plénitude, de paix, un peu comme une conversation avec Dieu. Vraiment, c'est un endroit à découvrir ou à redécouvrir. Voici quelques conseils pour profiter sans danger de votre randonnée. Renseignez-vous sur l'état de votre parcours et partez tôt le matin. Surveillez la météo. Portez de bonnes chaussures. Ne marchez pas le ventre vide et emportez de l'eau. Prenez un sac pour ramener vos déchets. Ne surestimez pas vos forces. Pour votre santé, il est recommandé de pratiquer une activité physique d'au moins 30 minutes par jour pour les adultes et d'une heure pour les enfants.